Reste encore un peu, s'il te plaît. Tu es sûr qu'on se verra demain à la même heure? Je suis une femme très demandée, mon Jojo. Tu veux me voir? Tu paies le prix. Je vais demander à mon chauffeur de te mettre un peu d'argent demain sur ton compte. Un million. Un million cinq. 2 millions. À demain, mon chauffeur. Hier soir, une scène horrible jamais vue sous nos cieux. Mélodie Mba, une petite fille de 12 ans, a été retrouvée assassinée dans des conditions terribles. La nounou Aïcha Malinké, qui était censée assurer sa sécurité, a été elle également retrouvée morte à ses côtés. Le procureur de la République gabonaise, M. Hugues Madeke, s'est saisi immédiatement de ce dossier pour faire la lumière sur cette tragédie. Nous suivons pour vous cette affaire, Rudy Assomou, au soutien. Ici. Et chacun mat. Tu n'es pas prêt de récupérer ta reine. Je t'ai encore battu. On devient grand le jour où on commence à battre papa aux échecs. On devient adulte le jour où on le laisse gagner. Tout se passe bien en bas? Oui, ça va. Tout le monde fait son gounda-gounda comme d'habitude. Surtout maman. Alors là, elle est dans le rôle de sa life. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici tout seul? J'attends la nuit, loin de ce ngunda-ngunda, comme tu dis. Oui, mais là, tu ne vas pas pouvoir repousser le délibéré bien longtemps. Il faut que tu le traites maintenant, si tu tiens à ta peau. Quoi? Je suis fier de toi. J'admire la femme et surtout la juge que tu es aujourd'hui. Ah oui. Va aussi dire à maman combien de fois tu es fière d'elle devant tout le monde. Elle va adorer.
Oh, papa, il est magnifique. Je l'ai dessiné moi-même pour le joaillier. Je l'ai reçu cet après-midi. Tu penses qu'elle va aimer? Si elle va aimer, elle va adorer, oui. Bah, si elle n'en veut pas, moi, je le prends. Patience. Tu vas bien? Je dois présenter. C'était à Paris? C'est pour ce que je disais, c'est extrêmement important. Croyez-moi. Tout à l'heure, merci beaucoup. Mon ami, mon frère. Maya, vous êtes ravissante. Merci. Très belle réception. Elle est encore plus belle maintenant que vous êtes là. Installez-vous. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. C'est quoi cette coiffure, mon bichon? Qu'as-tu fait des perruques que je t'ai ramenées de mon dernier voyage à Paris? Ce ne sont pas n'importe quelles perruques, tu sais. Hein? Maman, ce sont mes cheveux. Moi, je les aime bien tels qu'ils sont. Regarde autour de toi, Eki. Pourquoi tu refuses tout ça? Maman, s'il te plaît, franchement. Comme ce n'est pas le moment. Justement, si. Je suis ta mère. Et j'ai le droit de m'inquiéter de ton avenir à tout moment. Si tu étais mariée, tu comprendrais. Et avec des enfants. Depuis toute petite, tu refuses ton destin d'être... Tu as toujours refusé ce qu'on a. Mais pourtant, tu en as bien profité. Les diplômes, c'est bien, mais c'est pas tout. Au fait, tu as vu Madame... Mandongo? S'il te plaît. Marie? Marie, dites-lui tout. Chantal me dit que vous travaillez à la chambre des divorces. Oui, je suis présidente à la chambre matrimoniale. Mais ce soir, je ne peux vous être d'aucune utilité. Si vous avez besoin de conseils légaux, je vous suggère de voir un avocat. Oh. Et à cette soirée, vous voyez bien qu'il n'en a pas. Ma fille. Sur ce, excusez-moi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis heureux que vous soyez là pour célébrer nos 40 ans de mariage, nos noces d'émeraude. Je ne parle pas souvent de moi. Aujourd'hui sera une exception. J'étais une panthère indomptable. Mais cette dame, mon épouse, ma Chantal, merci de m'avoir réconcilié avec moi-même. À tes côtés, j'ai grandi, j'ai mûri et j'ai la forfanterie de croire que j'ai été un bon procureur général, un bon époux, un bon père.
Merci, Chantal, mon amour, d'être la lumière qui illumine notre vie avec Eki, notre fille. Notre plus belle réussite. Mes amis, voici le gage de ces 40 années de bonheur. Wow. Magnifique. Super. Des pierres précieuses pour la plus précieuse des reines. Wow. Ma reine pour toujours. Bravo. Trêve de badinage, mes amis. Aujourd'hui, une seule obligation. De la joie, des rires, beaucoup de champagne. Je vois que tu as oublié qui je suis. Pardon, on ne dure pas sans toi. Chérie, laisse-nous déjà arriver. Bienvenue, monsieur, madame. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Tsanga. Jérémy et Maya Matsanga. Amusons-nous. Vous n'arrivez que maintenant? Vous avez raté le discours de papa. Chérie, je reviens dans une minute. Je vais juste discuter avec Eki 2 secondes, ok? Jérémy, je pense que ça peut attendre quand on sera au nouveau palais de justice. Mariama, j'ai été ravie de te voir. Ah, j'arrive. Amusez-vous bien. Bonsoir. Oh, merci. Attendez, s'il vous plaît. On avait dit pas d'alcool pendant le traitement. C'est juste une coupette, ça. Chérie, en plus, c'est toi le médecin. Tu m'as dit que mes petits sont en forme, non? On va partager la bouteille. On ne sort même pas ensemble. Puis déjà, vous me demandez de vous offrir mon champagne. Mais ça peut plus s'arranger. Désolé, je ne me suis pas présenté avant. Marc, c'est Riyadi. Et qui est Nyonda? Je sais. Vous avez une réputation qui vous précède. Vraiment? Laquelle? Vous êtes... une excellente danseuse. Qui est ce jeune homme à l'indiqué? Certainement un futur beau-fils. Bon, c'est bien. Vous aussi, je vois. Bien, merci. Je vous en prie. Après celle-là, on s'en va. Arrête. Oh. Et si on sortait d'ici? Pour aller où? Je sais pas où vous êtes. Je ne vais pas suivre un inconnu parce qu'il me fait rire et qu'il sait danser. Ok? Et ben dans ce cas. Arrêtez. Vous arrêtez, il faudra me sortir d'ici. Très bien, la fête se termine dans 30 minutes. Après, on y va. On y danse. Qu'est-ce que ça fait partie de la soirée? Qui vous a autorisé à entrer chez moi? Monsieur Edouard Nyonda, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Melo Dimpa et Aïcha Malinké. Lieutenant, allez-y. Oh, lâchez-moi! Vous savez qui je suis? Qui vous autorise à pénétrer dans ma résidence et déranger mes invités? Hugues, mais qu'est-ce que tu fais? Madame la juge, on s'adresse la parole à présent et on se retutoie à ce que j'entends. Procéder à une arrestation après 19 heures dans un domicile privé est interdit par la loi, surtout dans le cadre d'un magistrat.
Pas si c'est une mesure préventive afin d'empêcher le suspect d'organiser son indisponibilité. Vous allez le regretter. Tu crois avoir trouvé ta revanche ? Petit salaud. Procureur Madeke. Maître Tsanga. Je suis l'avocat de Monsieur Nyanda. Si vous avez besoin de lui au poste, nous y serons. Mais vous n'êtes pas obligé de humilier un haut magistrat devant ses amis, sa famille. Ce n'est qu'un malentendu, mes amis. Je serai de retour avant la fin de la soirée. Buvez du champagne! Je vous garantis, si je vois une seule photo sur les réseaux sociaux, je vous poursuis pour diffamation. Et c'est déjà posté. Votre nouvelle greffière ? Déjà ? Oui, en fait, je remplace Madame Eliane, votre ancienne greffière. Et comme elle est enceinte, qu'elle a alité, qu'elle ne peut pas bouger... Peu importe. Essuyez-moi ce visage. Maître... Obamba. Jessica Obamba. Nous ne sommes ni au cirque, ni au Moulin Rouge. Je ne veux plus voir ce maquillage de michetonneuse. Ni dire bonjour à votre poitrine. Très bien. Nous avons 5 dossiers à traiter aujourd'hui. Faites entrer les justiciables. Bien, madame. Installez-vous. Merci. Monsieur Ekapi. Madame la juge. Je vois que vous demandez le divorce pour abandon de foyer conjugal. Tout à fait. Ça fait déjà un an que ma femme a quitté le foyer conjugal et refuse de le réintégrer. Tenez, je l'ai même fait constater par un huissier de justice. Mes paroissiens sont fatigués de prier pour qu'elle revienne. Et personnellement, ça ne m'arrange pas parce que je n'arrive pas à exercer mon ministère valablement. Ah. J'ai essayé par tous les moyens de la faire revenir, mais rien n'y fait. Et vous savez quoi ? J'ai appris qu'elle vivait en concubinage avec un autre homme. Effectivement, c'est très grave. Tant que le divorce n'est pas prononcé, cela est considéré comme étant un adultère. En plus du motif d'abandon de foyer. Raccompagnez M. Ekapi et préparez son épouse pour son témoignage. Ok, madame. Et c'est tout. Vous souhaitez rajouter quelque chose, M. Ekapi ? Non. Donc ce sera tout. On se revoit lors de la confrontation. En attendant, nous allons écouter votre femme. Suivez-moi. Jusqu'à droit connu, Edouard Nyanda est présumé innocent. Une enquête est en cours. Je ne peux donc rien vous dire au sujet de son arrestation. Quel a été son rôle ? Nous rendrons justice à Melody Mba et Aïcha Malinke. Mon rôle est de préserver la population gabonaise de tous ces crimes odieux. Monsieur Madeke, pouvez-vous nous dire s'il s'agit d'un crime rituel ? Oui. On veut plus de détails. Nous ne pouvons pas nous prononcer à ce sujet pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que crime rituel ou non,
nous trouverons les coupables. Et ils seront traduits en justice. Merci, c'est tout pour le moment. Tu as pu avoir papa ? Non, pas encore. Ils me font poireauter depuis hier avec la paperasse. Oh. Ouais. Attendez. Hein. Voilà. Non, là, là, j'ai tout le nécessaire, là. Ouais, je vais pouvoir assister à son audition par les OPJ. Je t'en rappellerai après. Et toi, ça va ? Hugues veut se faire passer pour le sauveur du peuple en détruisant ma famille. Et qui ? Prends ta journée et repose-toi. Avec tout ce qui se passe. Non, je ne peux pas rester à la maison. Sinon, je vais sauter de mon balcon. Attends, calme-toi. Tout va bien se passer. Je m'occupe d'Edouard. Dès que je termine, eh ben, je te rejoins. OK ? Si ce fanfaron d'Hugues veut la guerre, il aura. Mais l'un d'entre nous va y laisser des plumes. Ok, suis-moi, on va voir la fille de monsieur. Excusez-moi. Pourquoi vous n'avez pas voulu demander le divorce vous-même ? En premier ? Je crois que c'est parce que je l'aimais encore. Ah oui ? S'il vous plaît, nous sommes dans un palais de justice ici. Juge Nyonda, dites-nous, vous pensez que votre père est coupable du meurtre de Melody Mba ? Ce n'est ni le lieu, ni le moment de répondre à ces accusations complètement ridicules. Est-il coupable ? Que pouvez-vous nous dire ? Je souhaiterais reprendre mon travail au calme. Nous allons prouver l'innocence indiscutable de mon père, le grand procureur général Edouard Nyonda. Vous le couvrez ? Nous trouverons le coupable de cet acte odieux. Sur ce... Bonne journée. S'il vous plaît, madame violente. Madame Ikapi, s'il vous plaît. Est-ce que les menottes sont vraiment nécessaires ? Ce sont les instructions du procureur m'a dit qu'il mettre. Laisse-nous seul. Mais c'est pas la procédure. Tu es nouveau ici, toi. Je ne sais pas comment ça se passe d'habitude. Qui est ton chef ? Le major Landoy. Dis-toi au major Landoy que quand toute cette mascarade sera finie, je passerai partager un petit verre avec lui. Tu pourras peut-être te joindre à nous et apprendre deux ou trois trucs. Bien, monsieur le juge. T'en fais pas, tonton Edouard. On fait tout pour te sortir de là. Merci, mon fils. Ils t'ont dit à quel moment tu vas être déféré ? Attends. Laisse tomber ça. Je connais la procédure par cœur. Ils ne peuvent rien me faire. Le procureur ne peut user de son pouvoir que pendant 48 heures. Renouvelable. Dans 4 jours. Je connais Madeké, il n'aurait pas fait ça s'il n'avait rien de solide contre toi. Donc, tu vas tout me dire. Dans les moindres détails. Jérémy. Je suis obligé de te poser cette question, même si je connais déjà la réponse. Est-ce que tu es impliqué dans cette affaire ? Tu joues aux échecs ? Toujours pas, non ? Même si Eki a essayé de m'apprendre. Je peux pas te défendre au mieux si je sais pas tout. Les échecs sont une affaire de jugement. Savoir quand frapper et quand esquiver. Ok. Donc, t'as une stratégie ? Je veux mon bracelet. Quoi ? Mon bracelet en Corée. Ton bracelet ? Le grand Edouard Nyonda est en garde à vue pour meurtre sur mineur. Les journalistes assiègent le palais de justice. Ta femme, elle est au bord de la crise de nerfs. Ta fille affronte seule toute la magistrature et toi, tu te la joues maître Yoda en me demandant ton bracelet. Ce bracelet m'est très cher. Il n'avait jamais quitté mon poignet jusqu'à hier. C'est ton gris-gris ? Si tu veux. J'en ai besoin. Fais-moi confiance.
Ok, ok, je m'en occupe. Jérémy. Madame Icapi, comme vous le savez, votre mari demande le divorce pour abandon de foyer conjugal depuis un an et pour concubinage. Si ces faits sont exacts, vous risquez que le divorce soit prononcé à vos torts exclusifs, ce qui implique que vous n'aurez pas de pension alimentaire et que vous ne pourrez pas jouir de votre domicile conjugal. Vraiment, Madame le juge, il n'a qu'à tout garder. Je ne veux rien de lui. Qu'il fasse ce qu'il veut. Madame, si vous commenciez par m'expliquer pourquoi vous êtes partie. Parce que votre mari a l'air de quelqu'un de bien sous tout rapport. De plus, il est pasteur. Un homme de Dieu. Êtes-vous vraiment prête à tout perdre sans même essayer de vous justifier? Madame la juge, j'aimais mon mari de toutes mes forces. J'aurais donné ma vie pour lui et pour son ministère. Ça faisait 2 ans que nous étions mariés. Et nous n'arrivons toujours pas à avoir d'enfant. Mais pourtant, il est inscrit que vous avez un enfant. Oui, mais de ma précédente union, les gens ont commencé à jaser, à dire qu'il était stérile. Donc, il a commencé à m'emmener chez Nganga pour me faire des bains. Nganga, vous dites? Le pasteur vous a emmené chez Nganga? L'empêche à venir un autre. Le menace dit qu'il faut l'exorciser. Attendez, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à l'enfant? C'est quoi cette histoire? Jessica, s'il vous plaît, donnez-lui un verre d'eau. Brigadier Keba, c'est bien ça? J'ai besoin d'aller dans le bureau du lieutenant Alexandro. Le lieutenant Ando a parlé de justice avec le procureur Madeke. Et alors? T'as pas soif? Tiens. C'est le bureau du bon incasible. Ok, merci. Nous sommes allés de nuit au Cap Santa Clara. Nous sommes alors arrivés dans une clairière où coulait une rivière. Nous avait fait acheter de la nourriture que nous devions offrir au génie de la forêt et à nos ancêtres. J'ai prié l'esprit de mon grand-père qu'il veille sur nous. Il m'a demandé de me déshabiller pour porter un panne noir et je devais mettre un panne blanc sur mon fils. Et quand j'ai voulu le réveiller pour l'habiller, le Nganga m'a interdit
de le réveiller et Bad dit simplement de le couvrir. Passez mon lieutenant. Et où journée? Ça va, merci, vous avez dit. La famille, ça va? Vous allez bien, brigadier? Qu'est-ce que lieutenant Do? Keba, tu veux aussi prendre ma température? Lieutenant Do? Keba, ma patience a des limites. Si tu n'as rien à faire ici, tu peux disposer. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Je cherche le lieutenant Alexandre. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis. Ça ne répond toujours pas à ma question. Vous êtes le lieutenant Alexandre? Bien vu, l'avocat. Est-ce qu'il m'a trahi? Vous répondez aux questions par des questions. Et votre costume, il est taillé sur mesure. Donc vous n'êtes pas fonctionnaire. À tout point de vue, vous êtes l'avocat d'Edouard Nyonda. J'y étais hier à l'arrestation. Là, on dirait que vous êtes sorti en vampire. Maître, j'espère que vous n'avez pas mis dans le plumitif que Madame Itapi est sortie en vampire. Non. Poursuivez, s'il vous plaît, madame. Quelques jours plus tard, je dormais quand j'ai entendu cogner à ma porte. Il était là avec ses assistants. Il tremblait de peur. Et c'est là qu'il m'a dit, il s'est passé quelque chose dans la forêt. Et si je ne parle pas, je risque de mourir. Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Et il continue en me disant... Je vais te dire toute la vérité. L'esprit de ton ancêtre est trop fort.
On n'était pas allé pour exorciser l'enfant, mais plutôt pour le sacrifier. Voilà pourquoi j'ai pris mon fils. Je suis partie. J'étais sûre que ce monsieur était louche. J'ai un don pour flairer les hommes bizarres. Franchement, ça se voyait trop. Un maudit comme ça, là. Merci de nous partager vos dons, maître. Madame Ikapi, je ne minimise pas ce que vous avez vécu, mais je n'ai aucune raison juridique de constater l'abandon de foyer conjugal justifié. Comprenez ? Madame la juge, je devais faire comment ? Selon la loi gabonaise, une femme peut quitter son domicile conjugal avec l'autorisation de deux personnes. Le président du tribunal et son époux. Madame Ikapi, je suis désolée, mais je dois vous poser la question. Avez-vous abandonné votre foyer conjugal pour vivre en concubinage? Je ne vis avec personne, madame la juge. Je prie Dieu. Je le loue de m'avoir sauvée. Dès que j'ai quitté mon mari, j'ai retrouvé du travail à Hogar, une société d'assurance. Maintenant, mon fils et moi, nous sommes assurés et protégés. Et si quelque chose risque de nous arriver, ils feront une enquête. En tout cas, moi, je ne veux plus rien avoir avec ce monsieur. Maître, veuillez raccompagner Madame Ikapi. Bien, madame. Je vais statuer sur ce cas. Suivez-moi. Bonjour Madame Ba, puis-je vous parler un instant? Je vous ai déjà tout raconté. Que voulez-vous de plus? La liste de vos clients. Cette liste nous permettrait de savoir si Edouard Nyanda a acté seul ou s'il a un complice. Écoutez, nous tenons l'assassin de votre fille. Alors donnez-moi votre liste de clients. Et je vous garantis que rien ne vous arrivera. Vous avez ma parole. Procureur Madeke, vous êtes sûr que c'est Edouard votre coupable? Pasteur Ikapi, votre femme nous a expliqué qu'elle s'est enfuie à cause de vos pratiques mystiques, car sa vie et celle de son fils étaient en danger. Mais c'est faux, complètement faux. Je la poursuis pour diffamation. Même pas honte. En effet, comment croire qu'un berger du Seigneur ferait des sorties au Cap Santa Clara avec des gangas? Moi, je ne l'ai pas cru une seconde. Merci, madame la juge. Merci. Vous êtes clairvoyante. Vous avez toutes les chances que le divorce soit prononcé au tort exclusif de votre femme. Merci, madame la juge. Merci. Mais quelque chose me perturbe quand même. Les affirmations de votre femme peuvent sortir de ce cabinet. Imaginez le scandale dans votre église. De plus, le constat dit bien qu'elle ne vit plus chez vous, mais que ses affaires sont entassées dans une pièce. Ce qui prouve à suffisance qu'elle est partie précipitamment. Et quelle femme ne revient pas chercher ses chaussures, à part celles qui ont peur pour leur vie? Moi, j'y crois pas, pasteur. J'y crois pas du tout. Et peut-être aussi que vos fidèles n'y croiront pas et quitteront l'église. Ne va pas me faire ça. Écoutez, je passe à la télé, j'ai une image à préserver en plus. J'interviens au Congo, au Cameroun. Moi, je vous propose de divorcer pour rupture de la vie commune. Vous attendez 2 ans, vous revenez et je vous divorce. Et madame s'engage à ne rien dire sur vos prétendus actes maléfiques. Et vous, vous passeriez pour un saint homme. Imaginez, monsieur Ikapi, un homme qui continue de payer une pension alimentaire à un enfant qui n'est pas le sien, à une femme qu'il a honteusement abandonnée. Quel saint homme vous feriez?
Quel authentique homme de Dieu. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Moi c'est pour vous. Mais je préfère toujours les séparations propres et sans bavure. D'accord, madame la juge. Merci, Seigneur. Tes empreintes sont sur le couteau qui a tué Melody Mba et la Nino. Comment elles sont apparues là? Par magie? Tonton, je peux pas t'aider si tu me dis pas toute la vérité. J'ai besoin que tu m'aides sur ce coup-là. Madeke veut ta peau et s'habille avec. Tu le connais, c'est un bulldog. Oh, tu vas bien? Tu tiens le coup? Tu as mangé? Tu as pu dormir un peu? Le médecin est passé? Ça va, je suis bien traité, j'irai mieux mon avocat. Oui, mais c'est Madeke qui est en charge de l'affaire. Merci pour la confiance. Mais non, Jérémy, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est bon, Madeke n'est pas le roi du palais de justice non plus. Oui. Mais les étudiants viennent entre midi et deux, tout simplement pour le voir requérir. Alors, où vous en êtes? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Papa? Jérémy? Vous allez vous décider oui ou non? Ils ont les empreintes de ton père sur le couteau et sur la scène de crime. Quoi? Calme-toi, Eddie. Ne me dis surtout pas de me calmer. Papa, qu'est-ce que tu faisais dans l'appartement de cette femme? Qui? Réponds-moi, s'il te plaît. Ok. Attends, Jérémy. Papa. Ne parle pas comme ça chez ton père. Eh bien, ce n'est pas ta fille qui te parle, mais la juge. On t'accuse de meurtre sur une gamine de 12 ans. Et viol, sans oublier la nounou égorgée. Elle a été violée? Papa! On attend les résultats du test ADN pour confirmer l'identité du violeur. Ça va prendre quelques jours. L'information n'a pas encore été divulguée, mais dès que ça sera fait, tu deviendras l'homme à abattre. Alors maintenant, tu vas tout m'expliquer. Pourquoi tes empreintes se trouvent sur l'arme et la scène du crime? Parce que j'y étais. Et qui? Entre. Je ne savais pas que tu fumais le cigare. Tu sais, on dit que la femme est un véritable océan de secrets. Apparemment, ton père est une véritable galaxie. Il est beau, tu trouves pas? Papa m'a dit qu'il l'a dessiné lui-même. Tu te rappelles les chasses au trésor qu'il t'organisait? Oui. Pourquoi? J'ai toujours été jalouse de cette complicité entre vous deux. Ce lien invisible qui vous unissait. J'étais là, toute seule. Et vous deux. Cette complicité me reléguait au rang de spectatrice et m'excluait. Désolée, maman. Mais quand tu t'es absentée 7 longues années, je n'avais que 6 ans. Et c'est papa qui s'est occupé de moi. Grâce à cette complicité avec ton père et tout ce qu'il t'a appris, tu trouveras le moyen de résoudre cette affaire. Maman, tu crois que papa aurait pu commettre ce crime? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y était. Tu as faim?
J'ai préparé un bon nyamboué, je vais demander à Pascal de dresser la table. Ensuite, j'irai à l'église. Prier pour notre salut. Seigneur, bénis ce repas. Procure à toutes les personnes qui vont partager ce dîner. Procurez à toutes les personnes qui vont partager ce dîner votre amour et votre protection divine. Étends, Père éternel, étends ta main sur notre famille. Éloigne de nous tout esprit de convoitise et de perversion. Monsieur? Monsieur? J'arrive. Tout va bien? T'inquiète pas, c'est peut-être le bureau. Tu es quand même folle de venir jusqu'à chez moi. J'avais besoin de te voir, mon Jojo. Enfin, tu n'as pas vu ce qui est arrivé à Edouard? J'ai pas envie d'être le prochain magistrat qui va se faire arrêter. Rassure-toi, personne ne sait que toi et moi on se connaît. Ton nom n'apparaît dans aucun registre de police, je te promets. Tu n'as pas un gendarme qui te surveille à l'hôtel? Ah, celui-là c'est un bon à rien, il était endormi quand je me suis échappée. Non, écoute-moi, on ne doit plus jamais nous voir ensemble. Mais écoute-moi... Non, je n'ai pas envie d'être mêlé à toute cette histoire. J'ai besoin d'argent. Tu ne crois pas que je t'en ai déjà un peu trop donné? Mais il faut que je quitte le pays, que je me refasse une vie, que je recommence à zéro. Tu crois vraiment que ça se passe comme ça, Vanessa? Après ce qui est arrivé à ma fille? Samba. Oui, mon Jojo. Si jamais tu me recontactes encore une seule fois, je jure que tu verras ta fille plus vite que prévu. Thank you.
ce monde plein d'énigmes. Réveille-toi et cherche ta liberté, pour qu'enfin tu puisses exister. Recherchez toujours la vérité, cette vérité bien étrange, celle qui illumine et crème les yeux quand elle sort des ténèbres. Face à toi, ce jeu d'échecs. Où j'habite? Disons que j'ai mes sources. Hey, t'es qui là? Ouais. Je vois que tu sais parler aux filles en détresse, toi. J'essaie, je sais pas. Bienvenue chez moi. Merci. Ouais, c'est très beau. Mm-hmm. J'aime bien. Merci. J'en prie. Désolée, je sais pas ce qui m'a Non, t'excuse pas.